numéro 9, Élodie. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Élodie Chauvin, j'ai 21 ans et j'habite la ville de Pervé. Je suis bachelière en publicité médias contemporains et je travaille actuellement comme secrétaire dans une agence immobilière sur la grande place de Pervé. Je suis une grande passionnée d'afro-branche, de voyage et également de jeux télévisés. J'ai décidé de participer à cette élection, tout d'abord pour faire de nouvelles rencontres, mais également pour prendre plus confiance en moi. Merci beaucoup. Pourquoi justement la ville de Pervé? Alors la ville de Pervé, tout simplement parce que j'y ai grandi, j'y habite, j'y ai fait mes études secondaires et j'y travaille actuellement. Donc comme ça, ça prouve que je tiens vraiment à ma ville. J'appelle la prochaine candidate qui porte le numéro 10 et se prénomme Charline. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Charline Beuquelaire, j'ai 20 ans, j'habite à Molde dans l'entité de Tournée. Je suis actuellement en 3e chef d'entreprise de coiffure dans le but d'ouvrir ma propre enseigne d'ici quelques années. Ma plus grande passion est mon propre métier, tout simplement car j'aime le contact humain et le fait de pouvoir apporter du bonheur aux gens en essayant d'améliorer leur image m'apporte énormément. J'aime également les sorties d'entre amis. Comme vous pouvez le voir, l'an dernier j'ai eu la chance d'être élue d'espoir, ce qui fait de moi la première finaliste de l'édition Miss Pervé 2013. C'est un honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Alors justement, parlant de ton écharpe, explique-nous un petit peu ce qu'elle t'a apporté, ce que t'a apporté ce prix d'espoir. Alors, il est vrai que lorsqu'on m'a donné cette écharpe, je ne savais pas si j'étais contente ou pas. Après mes réflexions, je me suis rendu compte que c'était un très beau geste de la part des gens, car ils m'ont fait comprendre que je devais apporter plus pour, pourquoi pas, être peut-être sur le podium. J'ai fait de nombreuses sorties, je remercie le comité ainsi que le trio. Voilà. Merci Charline. On enchaîne avec la candidate du temple numéro 11, Claudia. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Claudia Tricard, j'ai 18 ans. J'entreprends actuellement des études de gestionnaire d'entreprise à l'Athénée Royal de Pervé, dans le but de plus tard pouvoir ouvrir ma propre entreprise. Ma passion est la planche à voile, je l'ai pratiquée durant de nombreuses années. J'ai d'ailleurs eu la chance de recevoir le titre de championne départementale dans cette discipline. J'ai déjà participé l'an dernier à l'élection de Miss Pervé, j'ai eu la chance d'être finaliste. Ça a été pour moi une magnifique expérience, c'est pour cela que je veux retenter cette expérience cette année. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton projet professionnel? Alors mon projet professionnel serait de pouvoir ouvrir une entreprise dans l'événementiel, plus particulièrement dans le mariage, donc dans l'organisation de mariage haut de gamme. Voilà. Merci. J'appelle à présent Kelly, la candidate numéro 12. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Kelly Palmeri, j'ai 17 ans et j'habite à Bury. Mon rêve c'est de devenir vétérinaire car j'adore les animaux mais j'aime aussi aider les gens. Mes passions c'est écouter de la musique et lire des romans. Je fais l'élection Pervé pour découvrir un peu plus cette ville mais aussi pour avoir une belle nouvelle expérience et acquérir plus de confiance en moi. Merci de m'avoir écouté. Alors, est-ce que ce concours de l'élection de la préception de Miss Pervé, c'est ta première expérience dans ce domaine? Oui, exactement. J'ai 17 ans, donc je crois que c'est le premier que je peux faire. D'accord. J'ai une petite question, puisque c'est la première fois. Explique-nous un peu comment on s'est préparé au niveau des répétitions, comment on s'est passé au niveau de l'ambiance. Est-ce que tu es contente d'être là? Est-ce que ça t'a plu jusque-là? Oui, ça m'a déjà beaucoup plu.
Chaque semaine, les répétitions et les sorties tous ensemble, j'ai beaucoup apprécié. Avec ces nouvelles rencontres, c'est vraiment une bonne expérience et j'apprécie. Mais j'aimerais quand même la continuer. Je te le souhaite. Merci beaucoup.